reborn. Wow. Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous aujourd'hui? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nyans Reborn. C'est écrit dans la description. J'ai vu un problème sérieux et j'ai envie de vous en parler un peu. Regardez, aujourd'hui, je vais vous parler du partenaire sorcier ou du collaborateur sorcier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui même un partenaire? Quand on parle de partenaire, on parle pas d'une femme et d'un garçon. On parle genre de deux personnes qui collaborent pour un but. Deux personnes qui ont décidé de s'associer, genre les associés dans une entreprise, ceux qui veulent construire quelque chose ensemble. Et là, on parle de partenaire sorcier. Pourquoi parlons-nous de partenaire sorcier? Je vais vous parler de partenaire sorcier tout simplement parce que j'ai vu une chose récemment qui m'a vraiment... Ça m'a vraiment encore choqué. Quand j'ai vu cette situation et ce que cette personne qui parlait là disait, je me suis dit, ah voilà, voici une personne qui ne connaît pas les signes de la sorcellerie et qui est en train de se laisser fatiguer par un gars qui est possédé. Premièrement, j'aimerais vous dire une chose. Si vous voulez vous associer avec quelqu'un pour pouvoir créer une entreprise, faites attention. Parce qu'une activité qui fait intervenir les humains, c'est une activité vraiment assez compliquée à réaliser. C'est-à-dire que pour que deux personnes s'entendent pour un but là, vraiment, c'est difficile parce qu'il y a deux esprits qui doivent s'entendre. Si l'un est l'esprit de Dieu et l'autre est l'esprit du diable, les deux seront divisés. Cette affaire que vous voulez monter ensemble là, ça ne va pas aller quelque part. Il n'y aura que la guerre, aujourd'hui celui-là dit ça, demain celui-là dit l'autre. Parce que il y a un problème. Il y a un problème d'esprit. Et ces deux esprits ne vont jamais s'entendre toute la vie. J'entendais ce jeune homme dire que lui voulait créer un truc avec son ami. Il s'est dit que lui et son ami, avant, les deux travaillaient dans une même entreprise. Et voici qu'il veut créer quelque chose d'extraordinaire et qu'il a besoin d'introduire son ami dans son business, dans son show, dans sa nouvelle chose. Mais il a remarqué que ce dernier-là se comportait d'une manière vraiment bizarre. Ce dernier, en fait, ne prenait pas au sérieux ce que les deux avaient prévu faire. Écoutez bien les signes et les informations que je vais vous donner. Ça va vous permettre de gagner du temps et évoluer, ne pas faire d'erreurs dans votre vie. À bon attendeur, Saloum Teyo. Maintenant, lui, il fait tout ce qui est à son possible afin que cette personne puisse venir travailler, puisse venir apporter sa part, sa contribution pour la création du produit. Ouais, le produit à vendre. Maintenant, cette personne, à chaque fois qu'on a le plus besoin d'elle, elle n'est pas là. Ou si elle doit venir, elle se fait représenter. Elle se fait représenter. Elle n'est pas là, elle est dans la partie et on peut même constater que cette personne ne considère vraiment pas le projet parce que cette personne ne fait que faire du n'importe quoi au moment où on doit parler de choses importantes. Si vous avez remarqué ça et tout ce que je viens de vous dire déjà, faites attention. Faites grave attention. Les partenaires sorciers sont là. Mais ce n'est pas écrit sur leur visage. C'est juste par leur comportement que vous allez savoir si ce sont de bons partenaires ou pas. Je nous dis, on reconnaît un vrai prophète quand ce qu'il a dit là, c'est ça accompli. Ça veut dire que tant que ce qu'il a dit ne s'est pas accompli là, on ne le considère pas. On ne le regarde même pas. Là, vous regardez les œuvres. En matière de business, il n'y a pas de frère. En matière d'affaires, il n'y a pas de sœur. L'argent est la source de tous les problèmes. Faut pas, ne vous lancez pas d'un truc où votre esprit ne vous accompagne pas.
Ne vous mettez pas avec les gens si déjà à la base vous constatez certaines choses comme ce que je viens de vous donner. Et les partenaires sorciers sont là. Les partenaires sorciers sont là. C'est qui en réalité le partenaire sorcier? Le partenaire sorcier, c'est lui. Celui-là même qui, quand vous êtes avec lui, lui vous montre qu'il n'est pas avec vous dans tous les sens possibles. Et il vient pour retarder le projet. Aujourd'hui, il dit ceci. Demain, il dit cela. En fait, il ne fait que changer de projet. Si tout le monde à gauche, lui sera à droite. Si tout le monde a les idées qui vont à droite, lui va aller à gauche. C'est-à-dire qu'il sera tout le temps opposé à vous. Et il aura tout le temps des idées vraiment bizarres. Du genre, oh, c'est vous qui voulez prendre tout le projet pour vous. Les trucs du genre. Il va se croire plus intelligent que tout le monde. Il va se croire plus visionnaire que tout le monde. Mais en réalité, là, c'est un agent du diable qui est là. C'est un représentant du diable. Lui, il vient pour retarder les gens, pour détruire les projets des gens. Parce que vous devez savoir que la sorcellerie, là, c'est une chose qui n'est que là pour détruire les projets d'autrui. Et toi, tes affaires sont là. Et eux, ils sont là-bas. Et ils vont maintenant faire quoi? Comme ils sont des sorciers, ils vont réfléchir sur comment faire pour détruire tes activités. C'est ça, la sorcellerie. Ça veut dire que le partenaire sorcier, là, il est dans ton bateau avec toi aussi. Il est dans le bateau avec toi. Et lui, ce qu'il cherche, c'est comment faire pour que le bateau se coule. Mais sans lui, hein. On va tomber dans l'eau, mais sans lui. Ça, c'est le partenaire sorcier. Et par rapport au cas de ce gars-là, je peux dire clairement que il y a vraiment un grand problème. Ce qu'un jour, moi, je voulais créer une entreprise, ouais. Il y avait un bon vrai projet. J'ai contacté quelqu'un, je me suis dit que cette personne, peut-être qu'il connaissait mieux que moi. Vous voyez? Et je contacte la personne, je lui dis, écoute, voici le budget qu'elle a. Moi, je veux créer cette activité. Quand je l'appelle, il dit, oh, mais c'est bien. En tout cas, je suis prêt à te soutenir. Voici ce que je sais, je sais ce que je sais, ne t'inquiète pas, je sais comment m'approvisionner. Ça, c'est ce qu'on s'était dit aujourd'hui. Le jour suivant, c'est-à-dire quelques heures plus tard, je l'appelle. Je dis, ouais, l'affaire là, c'est comment? Comment ça va? Comment ça avance? Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, non! Cette affaire là, c'est pas une bonne affaire. En tout cas, j'ai une autre affaire meilleure que ça. J'ai une autre affaire meilleure que ça qu'on pourrait exploiter. Il dit, ah bon? Sérieux? Il dit, ok, je vais analyser ça. Après analyse, je vois que c'est un peu bizarre. Je n'ai même pas encore fini ma conclusion. En même temps, il me rappelle. Il me dit, non, ça, l'affaire dont il vient de te parler là aussi, ça aussi c'est vraiment bizarre. Une autre affaire, un autre projet qui pourrait sans doute t'intéresser là, mais ça pourrait sans doute t'intéresser. Je dis, mais what? Qu'est-ce que c'est, quel projet ça? Ça c'est quelle histoire? C'est que j'ai des partenaires en affaires, ça. Aujourd'hui, il dit ça, demain, il change, il dit autre chose, après, il change, il dit autre chose, après, il change, après, il change. Ah! Tu es sorcier ou quoi? C'est ça. C'est la sorcellerie qui se manifeste aussi, comme ça, mais vous ne connaissez pas les signes. Ne vous engagez jamais avec de telles personnes. Des collaborateurs, tout le temps pressés, ils sont là, ils disent, oh, on a fait ça vite. Chap. Dès que vous constatez cela, dans n'importe qui, même si ce n'est pas partenaire en affaire, méfiez-vous de cette personne. Genre, tu veux acheter un produit et la personne te met la pression pour que tu puisses conclure, acheter en même temps le produit tout de suite. Non, si vous n'êtes pas prêt, que votre esprit ne vous accompagne pas dans ça là, n'y allez pas. Parce que sur la terre ici là, il y a de très mauvaises personnes, il y a même des gens avec qui il ne faut pas causer. Si toi tu as l'habitude de causer tout le monde, ne cause pas avec certaines personnes qui sont des sorcières. Ouais, moi je te le dis,
direct, il n'est pas passé à gauche ni à droite. Dis-leur bonjour à cause du Seigneur Jésus-Christ qui a dit qu'il faut saluer les gens. Mais pour ce qui concerne de leur confier tes projets, tes affaires, l'aide de tes trucs, c'est pas la peine. Tu ne ferais que te créer des problèmes à toi-même. Parce que ces gens-là, ce sont des sorciers. Les partenaires sorciers sont là pour plonger les gens dans la faillite. Faites attention à tous ces signes que je viens de vous donner. Si vous avez des questions, réagissez en commentaire. Si vous avez compris les signes, j'aime. Et abonnez-vous à la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci à vous de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir, il y a un support de ces trois autres chaînes. Dans la description se trouve un lien où vous pouvez télécharger des informations bancaires. Que Dieu bénisse vos frères et sœurs. Prenez soin de vous.